Good morning, allez, Idan et Tussra aujourd'hui, le Lunishmat David Ben Fortun, Mazal Fitna, Lucienne Batreina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Sota, Perikbet, Mishnah He. Alma i omeret Amen Amen. Amen ala ala, Amen ala Shevu'a. Amen me ish ze, Amen me ish acher. Amen shalosatiti arusa, unesu'a veshomeret yavam uchnusa. Amen shelo nitmeti, veim nitmeti yavo uvi. Rabbi Meir Omer, Amen shelo nitmeti, Amen shelo atame, shelo etame. On avait vu dans les psukim de la parasha de la Sota que lorsque le Kohen fait jurer la femme, concrètement, il faut comprendre, il fait jurer la femme, c'est-à-dire que c'est le Kohen qui prononce la jura. Je t'assermente que tu n'as pas... Que tu n'as pas commis d'écart, et que si tu as commis un écart, eh ben, qui t'arrivera cela et cela et cela. Et la femme doit répondre ensuite « Amen ». Et lorsqu'on est assermenté par quelqu'un d'autre et qu'on répond « Amen », dire le mot « Amen »,« Amen zo shvua ». D'accord ? Comme ça, c'est comme la Gemara. Dire le mot « Amen », ça signifie « J'agrée, j'accepte, je prends sur moi. J'accepte, je prends. » Ça veut dire que c'est comme qu'elle dit « Je jure », ça s'appelle qu'elle a pris sur elle la shvua. D'accord ? Maintenant, dans le pasouk finissait la parasha en me disant « Vamra Isha, Amen, Amen ». Deux fois le mot « Amen ». Pourquoi ? À quoi ça sert de dire « Amen » ? Et de là, on apprend quelque chose de très important, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'autres domaines de serments, d'autres occasions d'assermenter quelqu'un, où ce qu'on appelle le « Gilgul Jvoua », entraîner une joie. Soit, on l'a déjà évoqué quelques fois, on l'a déjà rencontré quelques fois, Gilgul Jvoua, ça veut dire que, par exemple, vous savez que par exemple, si j'ai un employé, un choutaf, un associé, que je veux faire jurer, je ne peux pas le faire jurer ce qui m'a volé ou ce qui ne m'a pas volé. Ou il y a encore un gardien, si je ne peux pas le faire jurer sur certaines choses, par exemple, si je lui ai demandé de me garder quelqu'un, de me garder un carcar, il y a plusieurs conditions pour faire jurer. Mais une chose de sûre, c'est que si on a déjà l'occasion de faire jurer quelqu'un, parce qu'on a eu le feu vert pour le faire jurer sur une certaine chose, alors on va être mégalgel d'autres choses à faire jurer. Ça s'appelle Gilgul Jvoua, on va être mégalgel, on va saisir l'occasion de l'avoir, la porte ouverte, de le faire jurer pour le faire jurer sur d'autres choses. En l'occurrence, si par exemple mon associé, je ne peux pas le faire jurer, ce qui m'a volé, parce que je suis pas en train d'accuser de quoi que ce soit. Mais si une fois on se retrouve dans une autre situation, il doit me jurer, je veux dire, tu sais quoi, puisque déjà tu jures, je te demande de jurer aussi, je t'impose de jurer sur l'autre chose. Il devient obligé de jurer à cause du Gilgul Jvoua. D'où on apprend ça qu'on peut être mégalgel une joie, qu'on peut entraîner, si déjà on fait jurer, qu'on entraîne aussi une autre joie, un autre serment, alors c'est déduit de la part de la Sota, qui a marqué que la Torah nous a dit. Amen, Amen. Vamra Isha, Amen, Amen. La femme dira Amen, Amen, elle jura deux fois. Sur quoi deux fois? Deux fois parce qu'il y a une fois sur ce qu'on est en train d'assermenter et une deuxième fois on va lui inclure d'autres choses. En l'occurrence, je jette d'abord l'idée générale, après on la reverra plus dans les détails. C'est qu'on va se dire si déjà là on a une histoire que je t'ai prévenu, tu t'es isolé, je veux te faire jurer sur ça, je profite de te faire jurer aussi que tu n'as jamais commis aucun écart. Il y aura même un avis à la fin de la mission qui va me dire. Que tu commettras aussi jamais un autre écart. Quand on y arrivera, on expliquera mieux ce que ça veut dire. Je saisis l'occasion, c'est que si déjà on fait jurer, je fais jurer sur plus. Ok? Alors c'est ce que la Michal me dit, bon, alors, et sur quoi exactement je vais lui demander de jurer On va la faire jurer. Alma iomeret amen, amen. Pourquoi doit-elle dire deux fois amen, répondre qu'elle agrée, qu'elle accepte, qu'elle prend sur elle la shvua, le serment. D'abord, amen ala, amen à la shvua. Elle répond « Amen » en rapport avec la malédiction et « Amen » en rapport avec le serment. Il y a deux choses qu'on avait vues, que je te fais jurer que tu n'as pas eu d'écart, et en plus ça, je te demande de recevoir sur toi que si, toutefois, tu as eu l'écart, que tu acceptes, que tu auras ça et ça et ça sur toi, et donc elle dit répondre « Amen » sur chacun. « Amen me ishe, amen me ishacher. »« Amen » que je n'ai pas eu d'écart avec cet homme-là, « Amen » que je n'ai pas eu d'écart avec un autre homme. Je ne pouvais pas le faire jurer sur un autre homme. Parce que je l'avertis que de cet homme, précisément, comme on avait appris depuis le début du premier chapitre, que je l'avertis face à tel homme. Si déjà, tu sais quoi, assure-moi aussi que tu n'as pas eu d'écart avec quelqu'un d'autre, je la fais jurer. Amen, shalosatiti arusa, ou ne soit, et même mieux que ça.
On va la faire jure aussi, chez l'os que je n'ai pas eu d'écart à Roussa lorsqu'elle était fiancée. Fiancée, c'est les fiançailles de l'époque où on donnait une bague. Et depuis les fiançailles, avant de la Nessune, on a déjà expliqué le principe plusieurs fois, ou Nessua, une fois que je me suis j'étais marié avec toi, le Shomeret Yavam ou Knusa, ou encore même que je n'ai pas eu d'écart lorsque j'étais Shomeret Yavam. Même d'un cas, on parle qu'en réalité, il y avait deux frères initialement, Reuven et Shimon. Reuven était marié à Rachel, Reuven est décédé. Sans enfant, Shimon doit prendre sa femme. Shimon se marie à faire le hiboum. Shimon donc fait le hiboum avec Rachel, et puis au bout de 2 ans, il avertit Rachel de ne pas avoir d'écart avec, de ne pas s'isoler avec un tel. Il va la faire jurer, il va se dire la raison. Alors je te fais jurer que d'abord, tu n'as pas eu d'écart là cette fois-ci. Tu n'as pas eu d'écart avec un autre homme, mais même mieux que ça. Tu n'as pas eu d'écart pendant la période, moi qui remarque qu'elle est un petit peu trop frivole, il commence à la soupçonner, peut-être que même depuis l'époque, en fait, où tu attendais que je te fasse le hiboum, peut-être que déjà depuis cette époque-là, tu as un écart, même sur ça, je te fais jurer, comme ça, c'est rapporté ici dans la Mishnah. En réalité, c'est une marloquette, je vous expliquerai après c'est quoi la marloquette. D'accord. Donc c'est ce que la Mishnah m'a dit, « Amen shelo satiti arusa unesua », que je n'ai pas eu d'écart lorsque j'étais fiancé et marié, ou « Shomereti avam uknusa » quand j'étais en train de patienter, d'attendre qu'on me fasse le hiboum, ou « Knusa » que j'ai été entrée et prise en tant que hiboum. Et en plus, elle doit même dire « Amen shelonit meti », je jure que je n'ai pas été impurifié, que je n'ai pas eu d'écart donc, « Vimnite nitmeti yavo uvi », et si toutefois j'ai réellement fauté, eh bien je prends sur moi d'accepter toutes les clalotes, toutes les bénédictions que tu es en train de me dire, je les prends sur moi, d'accord. J'explique juste sur « Shomeret yavam » parce que c'est un point important à expliquer, c'est explicité dans le Bantanon en fait. Il faut bien préciser quand même que je peux faire jurer une femme que pour ce qui me concerne à moi. Par exemple, imaginez que je me suis fiancé marié avec une femme, présumée être vierge propre. Maintenant que je la fais jurer, j'ai envie de la faire jurer, peut-être qu'elle avait eu des écarts auparavant. Ou même mieux que ça, on en reparlera dans la prochaine Mishnah cette fois-ci de ce cas-là. J'étais marié une première fois avec elle, on a divorcé. Parce que, peu importe. Finalement, 2 ans après, je me suis remarié avec elle. Et je me suis remarié avec elle, et puis après il y a eu l'histoire, ça s'est passé, que je la fais jurer. Alors, est-ce que je peux la faire jurer sur la période lorsqu'on était, lorsqu'on était séparés, qu'elle avait eu son guet, et qu'elle n'a pas eu de rapport avec quelqu'un d'autre? Alors là, on n'en apprendra plus, on en parlera plus dans la prochaine Mishnah, mais quand même, j'en ai besoin surtout pour l'idée, que je ne pourrais pas la faire jurer sur ça. Pourquoi? Parce qu'une femme qui divorce, et qui a une aventure avec quelqu'un sans s'être remariée avec quelqu'un d'autre, elle a le droit de repartir se marier avec son ex. Tout est interdit de reprendre sa femme qui a divorcé si elle a été mariée avec quelqu'un d'autre, c'est que si elle était mariée avec quelqu'un d'autre, mais pas si elle a eu une aventure avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence, si le mari, lorsque le mari va la reprendre, alors puisqu'elle n'a pas enfreint quoi que ce soit, c'est que si on enfreint un issour de Herva, qu'on peut faire jurer sa femme, c'est le principe que je voulais tirer de là-bas en fait. Si la femme, elle a eu une aventure avec quelqu'un, alors qu'elle n'était pas interdite à son mari si elle avait cette aventure parce qu'il ne s'était plus marié à cette époque-là, le mari ne peut pas la faire jurer, il n'a aucun droit sur elle à ce moment-là. Il peut la faire jurer que pour éclaircir ce qui le concerne à lui. En l'occurrence, je reviens sur la Shomeret Yavam. La Shomeret Yavam, elle est en train d'attendre que le Shimon lui fasse le hiboum. Alors c'est vrai, elle n'a pas le droit pour le moment d'avoir un rapport avec un étranger. Elle est Asura Belav. Mais malgré tout, si toutefois elle a eu concrètement un rapport avec quelqu'un d'autre, pendant qu'elle est en train d'attendre qu'on fasse le hiboum, est-ce qu'elle a été invalidée pour Shimon, pour le Yavam maintenant? C'est une marloquette. Et concrètement, la halakha, on retient qu'elle a le droit officiellement, elle a le droit de partir faire le hiboum avec le deuxième, parce que Shimon n'a pas un droit sur elle de l'interdire d'avoir un rapport avec un étranger. Elle n'a pas le droit par rapport à elle, parce qu'il y a marqué dans la Torah, l'Otéchatamatarkoutsa. Mais ce n'est pas Shimon qui lui crée cet interdit-là. C'est pas lui qui n'a pas un rapport de femme. Puisque la preuve en est que, si elle a un écart, elle est quand même permise à Shimon. Elle a transgressé avec Hachem, elle a transgressé un interdit d'Hachem, mais pas quelque chose qui est engagé face au Yavam. Ce n'est pas le Yavam qui crée l'interdit. C'est elle et la Torah qui impose de ne pas le faire. Ça, c'est selon l'avis qui nous dit que si elle a eu un écart, elle est quand même permise au Yavam. Selon Rabbi Akiva, il rapporte le Bartanora, selon Rabbi Akiva qui pense
que si elle a eu un écart pendant qu'elle était Yevama, c'est comme une femme qui commet un adultère, c'est le même principe, elle devient interdite au Yevam. Dans ce cas-là, le Yevam a un droit sur elle de réclamer, éclaircissant, est-ce qu'elle n'a pas eu d'écart lorsqu'elle était en train d'attendre le Yiboum. Et donc la Mishnah veut son Rabbi Akiva et nous on ne retient pas la halakha comme ça, d'accord? Ça c'était pour la partie du Yiboum. Maintenant il nous reste la dernière phrase, Rabbi Meir Omer, Amen Shelonit, Meti, Amen Shelo Etame. Je jure que je n'ai pas été impurifié, et je jure que je ne serai pas impurifié, c'est-à-dire que, autant que elle jure en ce moment qu'elle n'a pas commis d'adultère, et elle jure qu'elle ne commettra pas d'adultère, c'est le cas qu'elle ne commettra pas d'adultère. Qui peut connaître le futur? Il n'est pas question ici de connaître le futur. C'est tout simplement qu'elle s'engage avec ce serment maintenant qu'elle ne commettra pas d'adultère, de manière à ce que si un jour, même après 18 ans, 23 ans, 60 ans, elle va commettre un adultère, l'eau qu'elle a en ce moment, qu'elle a bu, elles ont gardé une empreinte dans son corps, que d'un coup elles vont se réveiller ces eaux-là pour la faire décomposer. Même après 15 ans, elle va commettre un adultère, et bien dans ce cas-là, ça va pas se passer facilement, elle va se décomposer entièrement tout de suite. Comme nous dit le bar de Nora, Shaim Titamela Harzman, Maïm Ara'erim Ota. Que si toutefois elle va s'impurifier plus tard, l'eau va la réveiller et que du coup ça, elles vont faire leur action, d'accord? Sur ça, la halakha n'est pas établie comme la meilleure, on la fait durer juste sur le passé, sur toutes les formes de passé sur lesquelles le mari avait un droit d'interdire sa femme, et donc il demande éclaircissement. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Sela.